Bonjour, je m'appelle Coralie. J'ai rejoint Sparking Partners il y a 2 ans pour créer et développer un pôle d'expertise en marketing digital pour aider les startups du studio et les entreprises extérieures. Aujourd'hui, cette entité s'appelle la Sparking Agency. Elle se développe vitesse grand V et on a besoin de nouveaux profils pour rejoindre nos équipes. Alors, à l'Agency, on aide et on accompagne les startups à générer des revenus en ligne et à piloter leur croissance digitale. Concrètement, ça veut dire qu'on intervient à la fois au niveau opérationnel et au niveau stratégique sur toutes les étapes du tunnel de vente. L'acquisition, la conversion, la fidélisation, par exemple, dans le but d'obtenir de meilleurs résultats plus rapidement, mais surtout plus pérennes. En termes de projet, on travaille avec les startups du studio et des entreprises extérieures. C'est ce qui donne une grande variété de sujets et de stades de maturité dans les projets. Au quotidien, c'est vraiment ça qui est passionnant et challengeant, c'est cette grande diversité de secteurs, mais aussi la complexité de toutes les actions qu'on doit mener pour réussir à obtenir de bons résultats. Pour vous donner des exemples, on peut tout à fait travailler sur le lancement d'une marque en ligne ou comment booster une communauté digitale. Ou même se focaliser et optimiser les leviers d'acquisition classiques comme Facebook et Google, travailler sur le CRM et la base de données, ou même aider à la prospection commerciale d'entreprises B2B. Moi, ce que j'adore chez Sparkling, c'est avant tout l'équipe et l'environnement de travail. On a la chance d'avoir des partners qui sont hyper inspirants, mais surtout très accessibles, ce qui nous donne envie de nous dépasser au quotidien. On a aussi une équipe hyper sympa avec des profils très différents et extrêmement bons, donc qui tire tout le monde vers le haut. Ici, on a aussi la chance d'avoir la possibilité de prendre des initiatives, d'entreprendre et d'être autonome. Pas une seule journée se ressemble et en 2 ans, je ne me suis jamais ennuyée, donc c'est assez rare pour le mentionner dans une entreprise. Et puis, on a aussi des super locaux où on a une ambiance très décontractée, presque familiale et aussi un peu festive comme on sait bien faire à Lille.